Il est 10 heures, les portes des arènes s'ouvrent enfin et comme pour les soldes, il y a déjà foule. C'est la ruée vers la bonne affaire. En moins d'une heure, le palais des expositions devient une véritable ruche. Au rayon meubles, une jeune maman est conquise. Elle voulait équiper sa chambre, elle repartira avec un meuble acheté 15 euros. C'est assez écologique finalement de réutiliser des meubles, c'est tout à fait économique. Et puis au moins ce sont surtout des meubles qui tiennent dans le temps par rapport aux meubles qu'on peut trouver dans le commerce actuellement. À 1 euro le body, 5 euros le manteau, le même souci d'un achat économique attire de nombreuses jeunes mères de famille au rayon puériculture. C'est d'acheter des vêtements d'occasion pour limiter un peu les frais sur des vêtements, en plus qu'on ne va pas se servir très longtemps pour les bébés. J'ai trouvé deux manteaux, un pour chaque, et puis deux paires de chaussures pour l'instant. Et là, je regardais les sièges auto, rehausseurs. Tarif braderie également pour les ateliers du bocage du Nord des Deux-Sèvres. Ils sont présents tous les ans avec du matériel d'occasion sous garantie, à prix défiant toute concurrence. 50 euros l'unité centrale, 90 euros l'ordinateur portable. Jusque-là, on peut constater qu'on a eu une influence assez importante dans la mesure où on pratique des prix relativement intéressants. Donc les gens qui sont en recherche d'équipement savent nous trouver. Dans le public, il y a ceux qui viennent pour la première fois, mais la majorité sont des fidèles qui viennent aussi pour le plaisir de chiner. Je suis venue, oui, pour tomber sur un truc qui me plaît. Je n'ai pas d'idée précise. Après, effectivement, j'ai vu ça de loin, je me suis précipitée. Je vais voir, je ne sais pas ce que je vais en faire. La braderie est un rendez-vous incontournable pour les Poitevins et pour la communauté Emmaüs de Poitiers qui accueille toute l'année dans ses locaux 70 personnes. On va présenter le résultat de 6 mois de collecte, de tri et de préparation. Et donc nous, on vend bien sûr dans le quotidien, dans nos magasins, mais on vend aussi à la braderie. Et pour nous, c'est quelque chose d'important, c'est ce qui nous permet de vivre. L'opération ne fait que commencer et les tarifs sont dégressifs, moins 50% samedi, moins 75% dimanche.